à chacun de voir comment ses projets, comment ses innovations peuvent s'insérer dans la contrainte intellectuelle qu'on s'est donnée, avec quelle richesse pour les familles demain, quel engagement de l'État, quelles innovations durables ou énergivores, qui sont des choix de l'ordre de la politique, c'est-à-dire qu'on va décider est-ce qu'on va faire tel effort ou pas, qui sont le choix, qui sont de l'ordre parfois aussi d'un certain fatalisme, c'est-à-dire qu'on est bien obligé de reconnaître que dans nos pays, les États ont de moins en moins d'impact, et la France, au sein de l'Europe, a des choses qui sont à jouer, à savoir est-ce qu'elle reste sur elle-même ou est-ce qu'elle s'ouvre pour essayer de peser plus. Voilà, il y a des tas de choses qui sont à retenir. Ce qu'il y a de plus important, c'est de se dire la prospective, elle n'est pas là pour refermer ce qui se présente, elle n'est pas là pour refermer demain, mais pour ouvrir demain à chacun de se l'approprier. Je pense qu'il est toujours très très intéressant dans ce genre de rencontre, c'est qu'on entend, on écoute des professionnels qui sont confrontés à d'autres univers de produits, à d'autres problématiques, et ça nous permet toujours d'élargir notre focale et puis de prendre de la hauteur et du recul sur ce qu'on fait. Donc c'est vraiment incitatif pour réfléchir. Les expériences des autres ne sont pas forcément déclinables sur notre domaine d'activité, mais parfois, à la faveur juste d'une remarque, d'une petite phrase, on peut avoir des déclics sur notre activité. Donc moi, en fait, en général, quand je vais à ce genre de colloques, etc., je sais que je vais entendre des choses déjà que je connais, mais parfois, il suffit d'une petite phrase. Et il y a toujours une petite phrase dans la journée au moment où il y a un déclic. Donc c'est vraiment l'intérêt de ce genre de manifestation. Je ne connaissais pas forcément ni Novachal ni Prospectkid il y a quelques mois de ça. Et en fait, c'est extrêmement intéressant parce que finalement, très en phase avec les réflexions que je peux avoir moi dans mon métier pour conduire la banque dans ce qu'elle doit être demain avec nos clients. Donc c'est vraiment toute la richesse des échanges que j'ai pu entendre ce matin, autant en termes d'éducation qu'en termes de villes connectées, d'environnement connecté. Je trouve qu'il y a plein de liens communs. Voilà. On a parlé ce matin de la famille qui éclate, donc il faut arriver à nourrir bien les enfants, à la fois quand ils sont chez le père, à la fois quand ils sont chez la mère, etc. Il y a des situations qui sont extrêmement différentes, mais c'est aussi à travers ce qu'on peut apprendre aujourd'hui, nous, dans le travail qu'on peut faire sur les filières, de nos matières, de nos approvisionnements, la façon dont aussi on peut livrer le produit à nos consommateurs. Aujourd'hui, beaucoup de nos produits passent par la grande distribution, mais est-ce que demain, quand on parle des villes qui vont évoluer, on n'aura pas des besoins de livrer autrement nos clients, nos consommateurs, etc. Et tout ce qui se dit à travers, finalement, nos experts de la prospective sont vraiment des éléments qui vont construire, finalement, l'offre de demain et notre positionnement de marque pour une marque comme Fleur et Michon. C'est effectivement une cible qui aujourd'hui évolue beaucoup, qui est très connectée, les natives générations, oui, c'est aujourd'hui, natives et digital générations sont extrêmement complexes, donc toujours chercher, toujours comprendre comment on va mieux les servir, c'est notre ambition et notre mission. Donc c'est intéressant pour nous. Et puis c'est intéressant aussi justement de travailler de manière plus construite d'essayer de trouver des solutions, notamment en travaillant sur des workshops comme on l'a fait il y a une quinzaine de jours avec l'école de design de Nantes, où on a travaillé avec 3 étudiants sur les arts de jeu. Des journées comme celle-ci sont là pour nous rappeler qu'il faut aussi porter le regard vers l'avenir et préparer cet avenir en prenant les bonnes décisions et en captant des informations qui permettent effectivement d'identifier quels sont les caps à suivre. On a à la fois l'envie de donner de la liberté pour que les enfants s'épanouissent et découvrent un monde où tout est possible. Puis en même temps, on peut être partagé par l'idée effectivement de garder une certaine forme de socialisation au niveau des enfants. J'ai senti ce matin qu'au-delà même du sujet de Prospectkid qui était débattu, il y avait ce côté un peu passionnel de la relation entre parents et enfants.